vivent dans des congélateurs, parce que la mer, ça leur fait peur. C'est comme les champignons de Paris, qu'ont jamais vu de forêt de leur vie. Les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons, d'abord ils savent même pas nager, il suffit de les regarder, ils sont pas assez hydrodynamiques pour mener une vie aquatique. Les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons, quand on est rectangle avec des angles à 90 degrés, on ressemble plus à un paillasson qu'à une truite ou un espadon. Les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons. Les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons, ils ont pas d'arêtes et pas d'yeux, ils ont ni tête, ni queue, ni besoin de se faire écailler, c'est pas des poissons compliqués. Les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons, on peut les manger sans remords. S'ils sont pas nés, ils peuvent pas être morts. Ça me paraît tout ce qu'il y a de plus logique. Ou alors, il faut qu'on m'explique. Les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons, les poissons, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons panés, les poissons.